Salut tout, c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une vidéo. Et aujourd'hui les gars, je parti pour faire ça. Aujourd'hui je vais vous présenter la toute nouvelle voiture qui est sortie. Donc qui s'appelle, je vais vous donner ça exactement le nom. C'est la toute nouvelle voiture qui est sortie hier. Donc je la présente aujourd'hui forcément parce que j'ai fait la vidéo hier. Qui s'appelle, attendez, pardon, voilà. Qui s'appelle dans Legendary la Benefactor Kryger. Donc c'est un gros véhicule qui coûte assez cher. Et c'est une hyper sportive apparemment, donc c'est vraiment une sportive qui a l'air de bien pulser. Et j'ai pas testé la vitesse ou quoi, bien évidemment sur la chaîne de la salle on testera la vitesse. Donc prix du véhicule 2 075 000, c'est énorme. Le prix déjà il est assez énorme, mais il est incroyable, donc c'est une super sportive. Je vais vous montrer un peu comment il est le véhicule sans custom, il est magnifique, les ailerons derrière et tout. Je sais pas c'est quoi comme véhicule dans la vraie vie. Pour ceux qui savent un peu dans la vraie vie c'est quel genre de véhicule, n'hésitez pas à me dire si vous voyez ce que c'est. Mais là franchement j'ai pas une marque qui me vient directement un peu. Oh là là, elle est magnifique. Je vous jure que je crois que pour ma part c'est l'une des plus belles super sportives. Je kiffais bien la proto, mais là, celle-là les gars, elle est incroyable. Déjà au niveau de la vitesse, on est plutôt bien. J'ai hâte de faire le test de véhicule sur la chaîne de la salle. Mais déjà, tout ce qu'on sait c'est que le véhicule est beau. Et vous voyez en haut là, regardez. Je sais pas si vous voyez les sorties de pot d'échappement. Regardez, c'est où? Oh là là, vous voyez les sorties de pot, elles sont où? C'est sur le toit quoi. Ok. Déjà au niveau de la vitesse, elle est pas mal. Elle a une bonne tenue de route, sans customisation. Franchement, je vais vous faire écouter le bruit du véhicule ici. Écoutez, je ne parle plus. Franchement, beau bruit. Assez beau bruit. Donc voilà, donc je rappelle que le prix du véhicule est à 2 800 000 sans customisation. Donc avec customisation, on doit être à plus de 4 millions, je pense. On va voir ce qu'on peut custom sur ce véhicule. En tout cas, c'est une super sportive et ça fait plaisir d'avoir une nouvelle super sportive. Pff, elle est magnifique. Elle est incroyable. Incroyable. Vraiment trop, trop belle. Ok, c'est parti. Donc blindage à fond. Frein de course. Moteur, forcément, les gars. Mais évidemment, on met le moteur niveau 4. Ensuite, échappement. Alors, on a échappement bout titane x3. On a échappement x2. Alors, on voit pas parce qu'il y a de la fumée. Ah ouais, c'est bon, on voit là. Ok. Échappement rond. Voilà, je vous montre un peu de côté. Échappement bout titane et échappement carré x4. Ah, x4, les gars. On se met les 4 hein, direct. 4. Donc, 9002. Ça nous a coûté 14 000 je crois. Et on est déjà pas mal hein. Ça va vite, ça va très très vite. Voilà, échappement c'est bon. Explosif non, capot. Alors on a capot en carbone. Ah ça rend pas mal. Ça rend pas mal. J'aime bien mais bon, si on laisse le véhicule en jaune, c'est vrai que ça fait stylé. Ensuite on a capot minimaliste carbone. C'est quoi la différence? Ah ok, d'accord, c'est juste qu'il n'y a pas il n'y a pas la sortie. Ensuite, on a le capot couleur 1, aération carbone. Ah, ok. Donc là, on a la couleur 1 et aération carbone. Ok. On va tester ça pour l'instant. Et puis, on verra après si on change. En tout cas, n'hésitez pas à noter ma customisation sur 10 à chaque fois, les gars. Alors, éclairage phare xénon, forcément. Kit néon, support néon, on le met. La couleur néon, on verra après. Alors, motif. Ah, on a des motifs sur ce véhicule. Bande noire, ah non, bande noire ça fait dégueulasse, horrible, horrible. Bande blanche, encore pire. Rayure allemande. Ouais. Pas mal celui-là, Junk, il est pas mal, discret. Junk alternatif, je sais pas c'est quoi qui change. Ok, c'est le rouge en fait qui change avec. Voilà, ouh. Waouh, la customisation là est magnifique. Waouh! Ah ouais, ouais, attention, là, il rigole pas. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est gris. On va mettre ça. Prendre ça, je sais pas pourquoi c'est gris. C'est peut-être lié à la couleur secondaire, je sais pas, on verra après. Plaque jaune. C'est peut-être la couleur secondaire. Alors, ma couleur secondaire est comment? Si je mets un jaune et je remets le motif là. Non, en fait, non, c'est vraiment.
Écoutez, je vais partir sur ça. C'est trop beau. Je kiffe. En fait, c'est un véhicule flashy comme ça. Rimpent. On n'a jamais eu ce genre de customisation sur un véhicule, honnêtement. Je crois qu'on n'a jamais eu de truc. Ok. Donc on met ça. Ensuite, du coup, forcément, on arrive à la peinture. Est-ce qu'on met un truc métallisé ou pas? Ah, mais du coup, là, en fait, on a vraiment le côté un peu. Si on met un truc, faut partir sur un truc assez coloré. Donc, pas du vert. Ouais, quoique ça fait dégueulasse. Ok, ça change la couleur. Ah, ok, je viens de voir. Ça change, vous voyez un peu, ça change la couleur du véhicule. Mais en bas, en fait, c'est bizarre. C'est une customisation sur une customisation. En blanc, ça rend pas mal. En noir, c'est magnifique aussi, hein. On va voir. Une couleur qui m'attire bien. Tu vois, ça fait un peu flashy, c'est bizarre. Si je mets du mat, par exemple. Ah, mat, c'est pas mal aussi. On va partir sur un métallisé noir, je pense. En couleur secondaire, on va partir sur un truc métallisé aussi. Ça change rien, en fait. On va mettre du noir aussi, forcément. Couleur finition, donc c'est couleur d'intérieur, on va partir sur un truc assez coloré. C'est le jaune racing hein, qui rappelle un peu la couleur du véhicule. Emblème de crew, il va où? Il se voit même pas le truc. Ensuite, bas de caisse. Bas de caisse couleur 1. Ah ouais, magnifique. Aileron. Alors on a sans aileron. Ah, on peut enlever les ailerons sur les côtés. Ah ouais, moi j'aime bien les ailerons sur le côté comme ça. Ça fait un peu super-héros, un peu Iron Man. Sans aileron, ça fait dégueulasse. On a aileron de rue. Aileron de rue couleur 1. Aileron de rue carbone. Aileron de course. Aileron de compétition couleur 1. Ouais, c'est pas mal. Aileron imposant. Aileron bas. Aileron large. Ah ouais, il y a vraiment pas mal d'ailerons. Donc honnêtement, je sais pas quoi. En fait, j'aime bien le véhicule. J'aime bien les ailerons normal. Vous voyez, comme ça. Je sais pas. Hein. Dans les commentaires, est-ce que vous préférez aucun, genre en laissant les ailes comme ça, ou vous préférez un truc un peu flashy, genre en aileron comme ça? Large et bas, y a bas et imposant. Imposant, c'est pas mal aussi. Hein. On va mettre. Imposant. C'est difficile, hein. Honnêtement, choisir, c'est assez difficile. Mais du coup, ça perd. Je trouve le fait de mettre un aileron, ça perd cette petite. Pardon. Ce petit truc stylé qu'on a. Écoutez, je vais mettre comme ça. Et puis on verra ce qu'on fait. Transmission. On verra dans les commentaires ce que vous proposez. Transmission de compétition. Turbo, turbo. Roue. Alors la roue, va falloir faire un beau truc. On va partir sur un truc du même style. Et peut-être changer la couleur des jantes. Non, pas en jaune, c'est dégueulasse. Mettre en noir. Pneu. Le custom. Et on part sur un fenêtre pneu jaune. Voilà. Fenêtre. Ouais, limousine. Et par contre, on a oublié de faire un truc, c'est mettre du coup l'éclairage, voilà. Phare xénon, kit néon. Et on va mettre un néon. Ah, néon crew, c'est pas mal, hein. Un petit néon rouge. Partir sur un petit truc crew. On va partir sur crew, parce que crew, c'est un peu la couleur verte. Donc voilà à quoi ressemble le véhicule en customisation. Je sais pas si j'aime bien la peinture. En fait, c'est bizarre. Je sais pas si on laisse en noir ou on part sur un blanc. Parce que noir, ça fait énerver. Après, je sais que dans les commentaires, des fois, vous aimez pas ce que je fais sur les véhicules. Peut-être c'est le motif. Ah ouais, c'est un motif aussi. C'est pas mal, hein. Oui, vous avez ça et ça, quoi. Écoutez, on va partir sur ça. Après, bon, dans les commentaires, je sais pas si vous allez aimer, je sais pas s'il y en a qui seront d'accord avec moi au niveau de l'aileron et tout. Mais en tout cas, le véhicule est vraiment très, 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 très beau.
strictement rien à dire. Très beau. C'est un beau véhicule. Et il a l'air de foncer, hein, il veut de la vitesse et tout. Oh là 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 là. Regardez-moi ce jeu, c'est un bijou, hein. Clairement, c'est un bijou. Magnifique. Il n'y a rien à dire. Ok, donc je vais un peu tester la vitesse du véhicule, mais regardez la vitesse avec laquelle il va. Waouh. Oh, par contre, il saute, hein. Waouh, j'ai hâte. Waouh, il a pas de tenue de route du tout. On va tester la vitesse, les gars, et passer sous le pont. Je ne parle plus. Je vais écouter le bruit, écoutez. Oh là là, le bruit. Je fais une sortie de peau, forcément je freine un peu pour vous aider sortie de peau d'échappement. Et le véhicule, c'est trop, hein. Honnêtement, la vitesse du véhicule est juste incroyable. Je vais mettre sur l'autoroute. Waouh, en fait c'est assez bizarre, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment... En fait, il est assez léger, donc il sautille vraiment beaucoup. Donc on va tester ça, on va se mettre en première personne. Pour voir un peu à combien il va. Ah oui, ça y va. Hein. On est à 190. Mais je rappelle que c'est pas des kilomètres français. Hein. Là, il commence à... Il commence à un peu... Oh là 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 là, la vitesse à laquelle il va. J'ai hâte de tester, franchement. J'ai hâte de tester ça. Bon, ah, je sais pas s'il va plus vite que la proto, hein, faudra tester. Hein. En tout cas, si jamais vous voulez les tests de vitesse, je pense que la salle fera une vidéo dessus. On aura exactement les tests de vitesse. Est-ce qu'il est plus rapide que le véhicule le plus rapide de GTA V? Après, bon, ça dépend. Est-ce que c'est en termes de vitesse lointaine, c'est-à-dire à la longue, ou est-ce que c'est vitesse en départ? Déjà, en démarrage, elle a un bon démarrage, hein, regardez. Ah, là, je m'arrête. Elle a quand même un bon départ. Même s'il y a des véhicules qui vont un peu plus rapide. Faut tester. Faut tester. On testera sur la chaîne de la salle. C'était la présentation de la Benefactor Krieger. Ou Krieger. Krieger super sportive. Qui coûte plus de 3 millions de dollars. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis au bye, au bye, au bye, au bye, au bye.